Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Tu nous invites, Seigneur, à marcher dans la solidarité. Nous te bénissons en ce jour pour la présence du pasteur Alain Joly, pasteur luthérien. Donne-nous au plus intime de nous-mêmes d'expérimenter que nous avons besoin les uns des autres. Apprends-nous à nous faire proches les uns des autres. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large.
Esprit, vivifie-moi selon ta parole. Prendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chacun mon âme et de nos plus. Élève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Psaume 25. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Justice pour moi, Seigneur. Moi, je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur. Je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai dans les yeux ton amour. Moi, je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe. Chez l'hypocrite, je ne veux entrer. J'ai laissé le parti des méchants. Avec l'impie, je ne veux m'asseoir. Mes mains en l'innocence, je tourne autour de ton autel, faisant retentir l'action de grâce. Innocent toutes tes merveilles, j'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni la vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Mais moi, je marche en ma perfection. Achète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en toi.
Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Et la balle de tes mains te profitera. Oh, ton Seigneur, maître, ton épouse une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison, tes fils de pleurs d'olivier. Allons-vous de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les grands moyens se lèveront, se prosterneront. De la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu viendras aux prisonniers sortés. À ceux qui sont dans les ténèbres, le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Terre tressaillée d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple et la compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux.
De Charles Journet, Entretien sur Dieu le Père. L'action de Dieu, c'est Dieu. L'agir de Dieu, réellement, est identique à l'exister de Dieu. Voilà donc que l'exister de Dieu, simple, indivisible, tout entier, est dans le monde, tout entier est dans un grain de sable, non comme emprisonné en eux. Il est en eux comme les débordant de toutes parts, comme non atteint par eux, comme non terni par eux, comme se jouant à travers eux avec une infinie liberté, une infinie subtilité, une infinie transcendance. Dieu est tout entier dans le monde. Il est tout entier dans ce grain de sable, non pas comme contenu par eux, mais comme les contenant, les tenant ensemble, comme leur bien le plus intérieur, leur force de concentration la plus intime, à laquelle ils doivent tout ce qu'ils sont, sans laquelle ils se dissiperaient aussitôt dans le néant. Il est en eux, non sans doute comme identique à eux, comme immergé en eux, mais comme la cause infiniment parfaite des faits infiniment imparfaits, infiniment distincte d'eux et en même temps intérieure à eux. Sa transcendance est inimaginable et aussi son immanence. Comment faut-il appeler cette présence de Dieu au cœur du monde? Les théologiens usent d'un mot technique. Ils disent que c'est une présence d'immensité. Les choses sont toutes mesurées, parce qu'elles sont limitées. Elles ne peuvent pas coexister, restant toujours étrangères les unes aux autres. Mais justement, Dieu n'est pas limité. Il est sans mesure, c'est-à-dire littéralement immense. Il est sans commune mesure avec les choses, et c'est pourquoi il n'entre pas en concurrence avec elles. Il les enveloppe toutes, il les pénètre toutes. Je fais pour...
pour avoir en héritage la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? Jésus lui dit : Dans la loi, qu'est-il écrit ? Comment lis-tu ? Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. » Un lévite de même arriva en ce lieu, il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme, il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Jésus avait pris la ferme résolution de monter à Jérusalem pour accomplir la promesse du Père des cieux de rassembler en lui l'humanité. Les disciples sont donc en route avec Jésus vers la cité sainte, tandis que l'homme de la parabole, en réplique à l'interpellation du légiste, quitte Jérusalem, s'en écarte pour se rendre à Jéricho. Et c'est un étonnant paradoxe que les disciples de Jésus, sur le chemin de Jérusalem, semblent eux aussi prendre une route contraire. Entre les Juifs et les Samaritains, et Jésus et ses disciples vont passer par un village des Samaritains, il y a quelque chose qui ressemble à la désunion des chrétiens, du moins pendant tant de siècles que nous avons parcouru ensemble, essayant d'aller, peut-être chacun de notre côté, rejoindre Jérusalem. Comme arrivaient, dit saint Luc, les jours où il allait être enlevé, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et il envoya devant lui des messagers.
Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand ils virent cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Il se tourna vers eux et les rabroua, et ils allèrent dans un autre village. Jacques et Jean, ce jour-là, ont espéré qu'un feu venu de Dieu détruise ceux qui n'avaient pas le même rapport religieux, spirituel, au Père des cieux. Ils ont espéré la destruction, faut-il les nommer ennemis, en tout cas frères séparés. Et voilà que dans sa parabole au légiste, que les disciples entendent aussi, Jésus désigne le Samaritain comme celui qui apporte la guérison à l'homme qui a quitté Jérusalem. Jésus éteint le feu du ciel réclamé par Jacques et Jean. Il éteint le feu de la colère de Dieu sur le péché. Il éteint aussi le feu de la colère intérieure, le feu de l'orgueil et de toutes les présomptions et de toutes les arrogances qui prétendent affirmer une seule communauté véritable pour Dieu. Il éteint un feu, mais il en allume un autre. C'est le feu de la charité. Et c'est le Samaritain qui devient alors le disciple par excellence. C'est le Samaritain qui est plus encore la figure du Christ lui-même, de la miséricorde du Père des cieux qui se penche sur une humanité blessée qui avait pris le chemin l'écartant de Jérusalem, précisément parce qu'ayant accueilli en son cœur la colère ou l'envie de destruction ou l'envie d'être seul devant Dieu et au milieu des hommes. Le Samaritain, l'habitant du village, converti peut-être par une puissance intérieure qui l'a disposé à la grâce, le Samaritain, tout saisi du feu de la charité, du feu d'un amour qui reconnaît son frère en tout homme, le voilà qui est désigné comme l'un des nôtres. Entre Juifs et Samaritains autrefois, c'était la guerre, la division, la haine peut-être. Entre chrétiens autrefois, cela a été aussi en ressemblance à cette expérience de l'ancien peuple de l'Alliance. Mais désormais, nous réapprenons à cause de ces feux éteint dans le ciel pour que l'autre, le feu de la charité, embrase l'humanité, nous apprenons et réapprenons à dépasser toutes les limites que nous avons posées pour désigner la communauté qui vit de l'amour de Dieu. Il nous faut réapprendre cela sans doute durant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il nous faut peut-être même entendre une parole qui vous est ou qui nous est à tous peu familière du réformateur Martin Luther dans son commentaire de l'Épître aux Galates, quand, méditant sur la sainteté de l'Église, il redécouvrait, après tant de controverses, son commentaire est assez tardif dans sa maturité spirituelle, 1538, il redécouvrait qu'à Rome, il y a l'Évangile et les sacrements, tout autant que dans la communauté qui se retrouve en ses intuitions, désormais confessées par la confession d'Augsbourg.
Il disait à ses étudiants et à ses fils spirituels que nous pouvons être, que nous les chrétiens luthériens, nous voulons être en tout cas avec vous et devant vous, comme des blessés sur le bord de la route, recevant une guérison de vous, mais aussi comme nous apportant pour vous une guérison de Dieu. Il en est, disait le réformateur, il en est de Rome. Quand il dit Rome, il parle de l'Église, du pape. Il en est de Rome comme de Wittenberg, notre ville et de nous-mêmes. Nous sommes vraiment saints, car nous sommes baptisés, nous avons part à la communion, nous avons été enseignés et appelés par Dieu, nous avons les œuvres de Dieu avec nous, la parole et les sacrements. À la vérité, les œuvres sont bonnes, celles que nous faisons en prolongement et en écho de l'exigence d'amour du Père des cieux. À la vérité, les œuvres sont bonnes et Dieu les exige sévèrement de nous, mais ce ne sont pas les œuvres qui font de nous des saints, c'est la vocation au ministère, l'évangile et le baptême. C'est par là qu'un chrétien est saint et l'Église se trouve partout sur la terre où se trouvent l'évangile et les sacrements. Puissions-nous nous trouver à la fois sur le bord de la route à demi-mort, ayant besoin de frères pour la consolation et la guérison, qui nous signifie l'avènement du Christ pour toute son Église, et puissions-nous nous trouver aussi faisant l'œuvre de Christ envers notre prochain, comme le Seigneur lui-même nous presse d'agir de la sorte pour la gloire de son nom, et l'unité en lui de tous ceux aimés par sa grâce de toute éternité. C'est à lui, Jésus, et à lui seul que sont rendus tout honneur et toute gloire, maintenant, dans l'Église et au-delà de l'Église, et jusque dans l'éternité. Amen.
prions. Parle-nous des hommes de compassion et de miséricorde. Ton Fils, venu éteindre le feu de la colère, le feu de la division, de la haine, de l'indifférence, est venu allumer le feu de la charité. Père, nous te bénissons. Prions. Seigneur, toi qui es Trinité, par ta vie, tu nous offres un modèle unique d'interdépendance, de relations vécues dans l'amour et de solidarité. Fais que nous soyons unis pour vivre à ton image. Apprends-nous à partager les uns avec les autres l'espérance que nous transmettent tous ceux qui luttent pour la vie partout dans le monde. Que leur courage nous incite à surmonter nos propres divisions, à vivre entre nous dans une sainte harmonie
et à marcher ensemble dans la solidarité, toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Ô mère de tendresse.